Mes chers compatriotes, tant que nous tous connaissons, depuis plusieurs années, Haïti a fait face à une grosse crise. À ce moment-là, je choisis pour me faire un petit parler avec nous, clé, tant que nous avons sur un sujet qui préoccupe nous tous sans être émotion. C'est causé insécurité. Le groupe armé a taillé mandat sous presque 80% de zones métropolitaines et plusieurs autres côtés dans le pays à Kankou la Tibonite. Le groupe Mounzaïo a créé un environnement anarchie avec la terreur. La vie, chaque jour dans Port-au-Prince, tourne une bataille pour survivre. La famille a vécu dans un cœur sauté tout le temps. Déplacer libre dans Port-au-Prince, c'est un véritable calvaire. Dans plusieurs quartiers, si moun yo pa à l'école encore, business yo yo ferme porte yo. Et puis l'hôpital ak centre santé et ben yo abandonné. La rue capitale noire kounye a tourné champ de bataille côté un pile innocent perdu la vie et côté l'espoir ta semblé poko prête pour boujaner. Groupe criminel za yo yo pas seulement la gè la troubaille dans la vie chaque jour. Mais ont affecté l'économie pays à tout. Routes commerciaux bloquées, chaînes d'approvisionnement perturbées, et puis investisseurs sont tellement découragés, ils ne sont pas intéressés à mettre l'argent dans le business encore dans le pays. Ça qui a créé l'économie pays en dégradation. Ça a créé plus de pauvreté et de chômage, et la guerre compatriote, deux bras pendiers, sans espoir. Impact humanité a même, c'est pas parlé. En pile milliers de monde qui te caillé pour aller prendre refuge, soit caillé amis, ou bien un parent, et surtout nous, ouais, ça, dans une série de abris provisoires qui chargeaient avec monde déjà. Car déjà, utilisé comme une âme pour contrôler communautaire. Femmes actives en particulier, c'est victimes principales du crime ça. Ils ont souvent kidnappé, violé, et puis forcé à faire ça, ils ont battu des faits en bas menant ZAM. Zak sa yo, ils ont quitté mac physique, ak psychologique, cap duré longtemps, pas seulement sous victimes directes, mais tout sous famille, ak communauté. Système santé, qui était déjà faible, vient plaire à victimes violence, ak moun kap souffri. À cause de l'effet direct de tout problème ça yo. Insécurité alimentaire paraît clair. Avec pourcentage de malnutrition qui a augmenté plus tous les jours. Situation tragique ça vient plus grave avec un climat impunité côté justice là paraît un rêve. Corruption avec la pérèse envahit institution yo qui fait les vins plus difficile pour autorité yo répondre avec efficacité. La justice vient de grosses difficultés pour appliquer la loi comme ça doit. Situation désastre exige une action immédiate et décisive. Nous ne pouvons pas permettre au groupe armé de continuer à être le peuple noir en otage, ni dans la capitale, ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté de pays. Remettre la sécurité avec l'ordre de Port-au-Prince. C'est une priorité absolue pour l'équipe transition. À ce moment-là, je viens d'annoncer que moi, avec le support du conseil présidentiel, pour mettre en application un ensemble de mesures concrètes et décisives pour combattre la sécurité et rétablir la paix dans le pays, une fois pour toutes. Initiative pour marquer un gros virage dans la bataille contre le calvaire. C'est le résultat de plusieurs semaines de planification et de discussion avec la police nationale d'Haïti qui est supportée par Kenya, l'armée d'Haïti et le service de renseignement à travers le pays. Autorité pays, je dis, premièrement, décréter l'état d'urgence sécuritaire dans toute commune qui trouvait en bas contrôle gang. État d'urgence pour le gouvernement. Outils et instruments nécessaires pour agir, couper bandits,
et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Pour qu'on y a, moi m'en des populations dans les communes qui concernées pour être vigilants et calmes. Consigne sécurité a vint de temps en temps et gouvernement, de gouvernement seulement et à travers réseau officiel seulement. Dans moment difficile ça yo, il est important pour nous rester jam, unis et puis disciplinés. Collaboration et engagement nous important en pile pour nous traverser crise ça avec succès et puis rétablir un Haïti qui est en sécurité et qui a prospéré. M'a profiter dit nous tout pendant m'a saluer gros travail journaliste surtout dans médias sociaux. Cap couvrir sous qui gens la police acclamé à protéger population m'a demandé yo éviter faire reportage cap bay bandi yo information sous position force l'audio à qui gens opération yo a déroulé quitte reportage ça en direct quitte li pas en direct. Deuxièmement, moi mandé PNH à support force Kenya yo à force la Médaïti pour commencer tip à tip à déploiement à coopération dans la zone que nous ciblons sous base plan que nous établissons. Objectif final, là, c'est reprendre toute zone sous contrôle gang, caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Troisièmement, je demande au ministre de la Justice là, pour faire tout ce possible pour renforcer, pressé, le système judiciaire. Là, pour ne pas continuer à avancer. Un système judiciaire fort, sans force côté, mais c'est pour tout mitan n'importe société qui est en sécurité. Nous allons travailler pour renforcer l'indépendance de la justice, là, pour combattre la corruption, et pour assurer que chaque citoyen, quel que soit le statut, lui, est égal devant la loi. Pour finir, je vais lancer le jour qui est venu là, une campagne nationale sensibilisation sur sécurité. Chaque citoyen doit se sentir impliqué et responsable pour sécurité zone. Nous pouvons encourager coopération entre population et force l'audio parce que c'est ensemble, dans l'unité, que nous pouvons surmonter l'insécurité. Compatriotes, le processus nous commence là. Mais il n'est pas facile. Et m'a tout dit nous, il n'est pas rapide. Moi, je voulais mettre ça clair dans la tête. Exemple pays dans le Salvador, Colombie, Jamaïque, qui gagne 10 fois plus de ressources que nous, confirmez-nous que la bataille pour mettre un pays dans l'état normal, demande temps et participation de toute société. Mais songez tout, moi toujours dit nous Haïti pas péri et Haïti pas perdu bataille ça. 1804 mariage la main indigène nan ak population te ban nou indépendance. En 2024 ça nous doit réaliser mariage force l'audio ak population pour libérer Haïti en bas main toute qualité bandi k ap touye violé et puis appauvri malheureuse ak malheureux. Moi vle di nou tout côté nous embarqué là, pas rien faire bac. Timoun, pas entrer le gendarme. Moment arrivé pour nous reprendre destin pays nous en main nous. Haïti libre ancêtre nous, te bail ak mouri pou li a, pas seulement pour génération pa nou. Chaque génération gen responsabilité devant l'histoire pour le bataille, pour le kembe liberté ça. Et puis pour le remettre les mains dans la main by l'autre génération qui a fini by petite li et by petite petite li. Pour patriote moi objectif nous aujourd'hui est clair. C'est pas seulement retourner pays à janté quelques années avant, mais c'est démarrer li une fois pour toutes vers Haïti ça que nous toutes nous rêvons de lire. Et c'est vrai que en pile circonstances qui a obligé un pays mandé l'autre pays aide surtout dans affaires crise humanitaire, dans crise sécurité. Mais aucune génération pas de
sous-traité Jean li doit bâtir caractère nation li Jean li doit mettre campé un état jam cap bay service route la pas long en pile pas grand pile pèlerin capitaine en pile mauvais paroles en pile fake news pour décourager nous pour laguer sous réseau moins rete quoi que grâce à détermination nous toutes n'a réussi quand même ensemble nous pourrons bâtir en Haïti qui est plus en sécurité qui est plus juste et qui est plus prospère bon dernier petit parole pour bandir j'en ai dit ça déjà déposer les armes nous reconnaître autorité l'état créole parler créole comprendre que grand maître la bénir Haïti et puis guider nous la mission noble ça. Merci en pile.